Voici le grand Luc Arnault, étalon au Haras de Saint-Voix, recruté par Nicolas Dagenette l'an dernier. Il a fait sa première saison de monde française en 2012. Une actualité chaude, entre guillemets, pour Luc Arnault, puisqu'il vient de donner son premier vainqueur, la première génération, à 3 ans. Et donc, il compte aujourd'hui 3 partants, 2 placés et 1 vainqueur. C'était avant-hier en Angleterre. Donc un tout jeune 3 ans sur la distance de 1400 mètres. Alors 1400 mètres, c'était quelque chose auquel on ne pouvait pas forcément s'attendre, puisque nous avons là un cheval qui a gagné le Saint-Léger sur les 2920 mètres de l'hippodrome de Doncaster. Donc le Saint-Léger, cette fameuse épreuve mythique, le plus vieux classique du monde, qui se dispute depuis la première moitié du 18e siècle, donc sur l'hippodrome de Doncaster, dans le nord de l'Angleterre. Une grande origine, Strawbridge. George Strawbridge, c'est américain qui est propriétaire notamment de Moonlight Cloud, et ici un fils de Dinah Farmer. Alors, étalon américain, Dinah Farmer extrêmement influent des deux côtés de l'Atlantique. Dinah Farmer a fait la monte, il est bon aujourd'hui jusqu'au tarif de 150 000 dollars. Il vous en coûtera un petit peu moins cher, bien sûr, si vous achetez son fils Luc Arnault. Dinah Farmer s'est illustré notamment à travers la paternité d'Américains, que vous connaissez tous, puisqu'il a triomphé dans la Melbourne Cup américain sous l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré. Luc Arnault, calme. Là. Donc Luc Arnault, qui est propre frère de South Worthy, gagnant du Great Voltigeur Stakes, donc une origine solide mais également vivante. Il était quatrième du dernier des Flandres. Lui-même a gagné, en plus du Saint-Léger, un groupe 1, bien sûr, les Great Voltigeur Stakes, un groupe 2, mais également les Princess of Wales Stakes à Newmarket devant le robuste Papal Bull. Et Dinah Farmer, pour conclure sur Luc Arnault, n'est pas que le père d'un Américain, c'est le choix qu'on connaît mieux en France, mais il a aussi donné ce crack défunt malheureusement Barbaro, gagnant du Kentucky Derby avant de s'accidenter grièvement, ça a été une longue histoire à l'américaine. Blue Bunty qui a gagné les Oaks, également Pomme Frites et Masseuse, des chevaux donnés avec un peu de malice. Luc Arnault, étalon Ouara de Saint-Voix.